Oui, ça mine dans tout ça le... Oh, sympa. Dans tout quoi ? Tape, affiche le visuel de... De Mika. Ah oui. Ah oui. Oh, sympa le rayon. Ouais. Mais là, c'est moi qui l'ai augmenté, hein. Tu peux l'augmenter plus, hein, je pense. Oui, tu peux mettre un radius de 256, mais... Faut le faire, hein. Ouais, après, faut y aller. Tac tac tac, y'a moyen de mettre la musique en fond. Salut aux gens qui arrivent sur mon live et sur le live de Monsieur Épée Forte. Ouais, vous avez augmenté le son, les gens. Donc, bon, bah, on va se faire les torches. Hein. La grosse torche, au moins, on sera tranquille chez nous. Oui, et ça marche aussi pendant le boom. Hein. Et genre, si tu peux m'en faire tomber une du camion, ça me dérange pas. Hein. Mais j'ai pas non, parce que chez moi, genre. C'est un donjon carrément. Tu viens, faut esquiver les maps quoi. Oh, gros lag. Parce qu'il y a. Je suis à 11 FPS, 6 FPS, 9, what? Que se passe-t-il? Je sais pas. 6 FPS. Et sinon, de manière générale, vous êtes satisfait du mode pack? Vous êtes content d'être? Ouais. Ouais. Ouais, sauf quand t'as des grosses chutes d'FPS là. Moi pour l'instant j'en ai pas. Mais je pense que ça doit venir peut-être vocable, hein. Parce qu'il est faisceau comme ça, ça fait des animations peut-être. Ah non, mais c'est juste là où j'ai une chute d'FPS, mais. Ah, des fois ça le fait, puis des fois ça le fait pas. C'est... Le pire c'est que je lag pas sur le. Attends, non. Peut-être parce que j'ai trop de live ouvert du coup. J'ai le mien, j'ai celui de. Ouais, voilà, c'était mon live Twitch qui me faisait lag. Ah bah ouais. Ça fait logique d'ailleurs. C'est bon, j'ai retrouvé mes 60 FPS. Oui, oui Maxime, je te répondrai après sur Twitch. Il va nous falloir de la bouffe aussi. Radix, t'as de la bouffe? J'ai un peu de carottes qui traînent chez moi si vous venez. Et j'ai du raisin et des carottes. Patates, carottes et raisin. J'ai tout ça. D'accord. Mais c'est des petits champs donc, ouais, si vous venez, ouais, faut faire une rasa sur ce qu'il y a. J'ai pas faire une. On va envahir Redis. C'est pas que la bouffe, on n'est pas non plus des. Ouais, j'ai un peu de patates encore qui traînent. Et des steaks. Faudrait un système de bois parce que. J'ai fait une usine avec un harvester et un planteur parce qu'il me faut du bois et j'ai pas le temps d'attendre. On viendrait te chercher du bois au pire. C'est infernal. Donc. Pour l'instant il est un peu coupé parce que c'est pour la baraque, mais si je le rends dans l'autre sens je peux le faire tomber tout le temps et vous servir quand vous voulez. Bah, je le rends dans l'autre sens qu'en fait là il l'a orienté comme ma baraque en fait. Donc il risque de découper ma baraque. Ah. Enfin ça je l'ai coupé. Tiens ça et me rappelle quelque chose d'avoir coupé la baraque en deux avec un harvester. T'avais abusé, parce que j'avais tout construit, t'as tout défoncé. Tu t'en rappelles, Lou? Vraiment. Très bien. On m'en rappelle bien aussi. Bizarrement, il y avait des fuites. Clairement, c'est moi qui ai dit pour construire, sachant que quelqu'un avait la flemme. Ah non, moi j'avais rage kit. Attends, mec, je construis la baraque, je passe une soirée dessus. Vous arrivez le matin, en 10 minutes, vous allez couper la baraque. Ah, mais mec, je vais leur faire. J'ai rage kit direct. En plus, avec ta sale fontaine, là, tu m'as. J'ai tous les jours pour la fontaine. Tu l'as jamais faite d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mais Tu pourras en faire une. C'est plus que je t'avais fait à la place. J'avais fait la baraque. Non, t'avais rien foutu à la place. Va pas chercher des trucs genre ouais, je travaille et tout. Si, j'avais fait beaucoup trop de choses, hein, même que tout le monde dit oh là, Redix, tu bosses trop, faut que tu te. Oh là là, faut que tu te ménages, etc. Comment il ment sérieusement? J'avais fait toute la déco, lui il avait rien foutu. C'est une baraque en bois qui a pris, enfin qui a disparu. Les tranches en deux. C'était pas sur Grand d'ailleurs. Non, c'était sur Galactic. Galactic Craft, ouais. Ah. Sur un tout Galactic. Il y en a deux, donc ça en fait. Au niveau des torches. Bah ça arrive. Prends une potion. Voilà. Oh oui. Oui. T'as mis où? Ouais, dans le plate.
que j'ai ça. Oh, putain, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il nous faut, ça paraît mieux, ça veut dire quoi? On n'a pas de Draco, on a Under Rio, ça marche avec quoi les spawners d'Under Rio? Un Powerhead Spawner. Ça marche avec de la... un liquide? Non, l'énergie pure. Mais ça bouffe énormément d'énergie. Grave. Rien que le double capacitor, double layer capacitor, c'est 1320 RF. Par tick. Ok. Bon bah il faudrait... Le maximum c'est bah, le 20 000. Bon, petit problème, il faut une arme de ghast. Bah allons dans le laser. Ouais, il faut trouver le ghast et qu'il la drop correct quoi. Alors, on va faire ça. Ça de quoi allumer le portail. Ouais. Et allons-y. Passe la night, parce que j'ai peur. Pi-pi-li-p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 i. Salut les gens, bonjour. Alors, à la recherche du ghast. Ah, c'est bon, ça m'a saoulé, y'a pas 5 qui dort, je me casse lui. Non, ils m'ont tous saoulé. À la recherche du ghast, ah, ça va être le truc le plus chiant encore. Oui. Heureusement qu'on allait d'être à la plane. Hein. Oh oui. Tu sais que chez vous, il y a une montagne à côté. Ouais. De la montagne, tu prends bien l'élan et tu sautes, tu parviens jusque chez moi sans te poser. Ça c'est cool. Ah bah c'est trop tard Foxina, j'ai plus au lit maintenant. Ah j'aurais dû prendre le machin. De quoi? Le bâton qui envoie des missiles. Ah ouais. Pour le guest. Bien. Bon alors? Bah je sais pas, je mine une fleur, enfin je vire une fleur et elle m'empoisonne. Oui c'est la fleur qui te fout le feu si tu la touches. Enchanting Emerald. Ah, Ghast. Ah. Oh, il y a même des witch chez moi, laisse tomber, faut que j'aille me coucher. Il y a des witch. T'es où, Ghast de merde? Au-dessus. Va frapper les pigmen. Va frapper les pigmen. Tu sais pas viser, Ghast. Oh, du saphir. Ouais. Ouais, surtout qu'on puisse voler. Ouais. Toi, tu veux voler dans les coffres des autres? Non. Lol. Si je te disais qu'avec la Paxel, on peut pas avoir l'ardite. Hein? Ouais. Ouais, je suis miné, elle veut pas. En mai. Bon bah. Après, si avec l'ardite, ça va. Mais s'il y a plus. Oh, une Infernal Hive. Ah, je la veux celle-là. Ah, je n'ai plus de musique. Un peu. Bon bah j'ai bientôt les 100 upvotes sur Twitch. Oh ça c'est cool. Ouais. Oh cool hein. Non j'ai ma beau, en fait j'ai oublié ma beau hier. Oh, wow le mec est 8. C'est bon, je me suis abonné, c'est bon. Et follow. Et follow. Moi je sens quand je vais refaire les abeilles, je sens que je vais crever à multiples reprises. Bah surtout le début on fait le temps d'avoir l'armure quoi, le temps d'avoir l'armure c'est hyper chiant au début. Ouais c'est la tropical en plus. Ouais parce que c'est ouais c'est tropical, eux ils t'empoisonnent, ils te mettent vraiment mal à l'aise. Hein. Après avec le division shield là ça devrait aller. Ah oui, bah oui large. Mais c'est les gravitations en fait. Elle par contre je m'en rappelle très bien sur FTP3 que tu t'approches tu décolles. Et tu te fais kick du serveur parce que tu fly. Moi c'est avec le datapad, je me suis fait kick parce qu'il s'est marqué kick pour fly, non mais mec... Ouais, c'est quand tu c'est sautes double de fois. Bon bah... Ghast... Oh. Ouais, malheureusement oui.
Ça me rappelle des choses, ça. Ah oui, le truc, bah il est déjà pris, enfin, il est déjà pillé. Ah bon? Bah, je pense bien. Ah non, il y a encore un spawner. Ah, merci de me donner des petits coups là. Ça m'a pu revenir. Ah, il y a encore, c'est juste que je me suis raté. Pète le spawner parce que sinon tu vas avoir des witch. Des. Voilà. J'attends. Ah. J'attends pour regarder ce qu'il y a dedans. Oh, j'ai le courage d'être appané au-dessus là, putain, j'aurais pas les coups de le faire moi. Merci, le shield. Bah, on a le shield donc on s'en fout un peu, Renix. Ouais, mais quand même, tu vois. Même avec le shield, je les ai crevés dans la lave. Hein. Bah, non. Non, justement. C'est mon mauvais, mon gars, il résout mon panne. C'est en pure de batterie dedans, t'sais. Oui, par contre, la lave, ça... enfin, la lave, ça bouffe beaucoup d'énergie avec ton shield. Oui, je confirme, je viens de tomber dedans. Hop, une autre Eve. Je commence à. Est-ce qu'il est possible de mettre des blocs? Ouais. Oui, monsieur, il fait fort. Par contre, je me suis demandé un truc, quand on aura tous nos shields épuisés, on en fera quoi après avec? On peut les recharger ou pas? Non. Non, on ne peut plus. Oui, du bois dans le nether, c'est logique. Qui n'a pas déjà fait un bridge en bois au-dessus de la lave, t'sais? Ouais. Et qui sait que c'est chronométré, t'sais? Parce qu'après, ça va être vété. Oh bah c'est cool. Alors, ça. Prend ça. L'ému ça, tout ça là, cool. On a d'autres. Petite safari. Ah, des rumeurs des méga rumeurs de Mine Factory, alors ça. Safari. Ah, des anciennes tris. Et c'est bon, hein? C'est pas mal? J'aime bien, moi. T'as même une tourelle. Une tour. On va pouvoir défoncer tout le monde, ça. Ah oui. Rappelle sur. Bah, c'était encore une fois sur Galactic. Oui. Voilà. Je le récupère pour Mister Bix. Moi j'ai réussi. Non, non, mais en fait c'est moi. J'aime bien jouer avec mon clic droit. Je veux dire autre chose. Là je repars comment du coup d'ici? Bah tu remontes. Ah mec. Oui, d'accord, oui. Wow. C'est moi qui ai eu un freeze. Ouais, c'est moi qui ai eu un putain de freeze. Bon, le... Oui, le ghast. Viens voir. Viens voir, papa. Non, mais viens voir, papa. Je vais t'exploser ta face. Je vais t'exploser ta face de ghast. Chope dans la rue, je te démonte la gueule. Bon, voilà, maintenant, on va se foutre qu'à repartir jusqu'au portail. Et viens, le ghast. T'es où le ghast que je t'explose? Nya! Nya! Je t'aurai! Ouais, merci pour la ghast! Je l'ai eu! Oui, j'en ai eu 4! Nice! 5! Nice! Bon, bah, c'est magnifique. Bon, bah voilà! Non, il faut la retourner au portail! Oui, ça va être autre chose par contre. Surtout que le portail est plus haut par rapport à là où je suis. Oui. Demi-tour. Ouais, 230 mètres, ça va pas trop le faire, mais on va essayer. 90 mètres, je n'ai plus de bouffe. Non, la chauve-souris, tu dégages. J'ai pas envie de. Oui. Oh, c'est bon, je suis derrière toi, Lou. Vas-y, donne-moi ta bouffe. Merci. Elle est crue. De toute façon, je l'ai pas eu, ça a cramé. Non, j'ai tout récupéré. Tiens. Ah oui, je veux bien. Merci. Ah, ouais, faut vraiment qu'on se fasse un bon truc de bouffe. Ouais.
c'est bon. Voilà. Même un petit spawner de vache auto, hein. Oui. Du coup, faudrait quoi pour faire ça? Capturer une vache, faire un broken de. Un broken. Comment? Un broken spawner et du coup. Une soulvial, un truc assez chiant d'Underio. Ah oui! Oh non! Un soulvial, c'est pas le truc à l'époque où il fallait farmer des vaches pour que le ratio soit plus fort ou un truc comme ça? Non. T'as dû fumer un joint, mais c'est pas grave. Ouais, il y avait un truc à l'époque où il fallait une épée sous stealer. Et ça faisait rigoler tout le monde parce que c'était comme le pseudo du youtubeur. Ouais, voilà. Tu te rappelles, et plus tu fermais la charde, et plus elle augmentait entière. Ah oui, oui. C'est pas si que vous mais savez c'est... pas parce que prenez-moi pour un con. Non, ça c'est sous le shard. Boulé. Mais ça, il y est toujours. Hein. Oui. Qu'est-ce que je voulais faire, moi, déjà? Ah oui, ça. Par contre, les trucs Stargate, là. Laisse tomber, j'en vois jamais. À l'époque, sur le serveur, j'en voyais tout en début. Attends, c'est ultra rare entre un qui n'a pas été fait, quoi. Ah d'accord, très bien. Chris qui m'envoie des... Ah bah non, il était bien la musique. Qui c'est qui t'envoie des messages? Chris. Chris. Truc de lunettes. Ah, ça c'est un signe. Bah c'est un peu con parce que j'y suis pas depuis très longtemps chez eux. Il a craqué. Non, c'est pas vrai, j'ai pas craqué. Bon, le drone, il reste 11 000... Bah, 11 sauts de liquide et puis c'est fini. Alors ça... J'ai trouvé un arbre rose. Du sakura. Très beau d'ailleurs le sakura. La magnum est en cours. Deux magnum pour moi aussi hein. Ah, non. Les billets chez Redis. Ouais. Bon, il faut lire rapport entre la Magnum Torch et la vidéo. C'est vrai, il faudrait que je t'en fasse une d'ailleurs. Je suis complètement zappé. Ça fera 50€ PayPal. Oh putain, c'est cher la Magnum. À ce point-là, je peux m'en acheter une IRL des Magnum Torch. Tu imagines le mec qui va dans une boutique. Bonjour, je voudrais une Magnum Torch. Je vais un truc, ça t'éclaire tout le quartier. Et salut Maxouche, oui, on live aussi. C'est ça, Gundark, il est nouveau, le pauvre, laisse-le tranquille. Ouais. Un genou. Ouf. Hop. Ouais, bah du coup, la Magnum sera faite.
Voilà, la deuxième est en cours. Ça, ouais, c'est enfin cool. Arrêter de péter ma base. Comment on fait pour, vous savez, les mettre tous les or. Étoile or. Étoile. Dans quoi, Winner, une étoile après. Ou autre. Hein? C'est dans or dictionary ou pas? Là où j'étais, donc oui. Or dic. Faut que tu mettes étoile or étoile. Hein. Faut que tu mettes une étoile après aussi. Hein. Ah oui. Ça a pas l'air de marcher. T'as mis les au majuscule à or, oui. Comme tout à l'heure pour diamant. Mais juste or et étoile. Ça va, niveau diamant, on était tranquille. Et or, t'as mis un E à la fin. Le mec relou. Parce que normalement, c'est ouais. Ça. Hein. C'est ça, normalement. Et ça marche. Bah oui, oui, merci. Mais dans Ordic, en tout cas, ça marche pas. Attends, viens voir. Ah bah c'est bon, c'est or. Sans ou majuscule. Oh putain, 36 918. Ah bah ça va, hein. 36 918 minerais, non mais dans ce seul carré là. Holy shit, hein. Salut les zombies. Si tu regardes le visuel, je l'ai un peu augmenté. Là je l'ai mis à 256 machin. Ouais, il a un peu augmenté, mais ça va. Mais 37 000 minerais là-dedans, shit. Ouais. La Magnum Torch, on la tient. Tiens. Ah, j'entendais plus. Tiens, la petite torche. Tiens, je te l'ai. Elle est où? Oh. Est-ce qu'elle est belle? Pour que tout le monde la voit. Ouf, parce que nous, on a trouvé la classe. Ah bah y'a plus de diamant qu'il y avait au milieu. Ah. Avant il y en avait un mais... Ouais. Bon. Attends, je veux faire un truc avant d'aller chez Redis. Ah oh, putain. Ouais, tu se prévois un canon laser mon gars. Avec bazooka quoi, tu sais. Je rappelle Chou, il faut deux laines grises. Ah oui. Pour faire ce que je veux. Oui. Poche. Ah je crois que j'ai craché, allez salut. Mais non, t'inquiète pas, tu peux rester, c'est gentil. Voilà, c'est gentil, hein, tu risques rien. Enfin, pas grand chose en tout cas. Enfin, peut-être pas. Bon, faut qu'on fasse ça avant que la nuit passe, ça serait encore mieux. T'as de la laine? Enfin, t'as de la laine? Je trouve pas de mouton. Non, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut pour faire de la laine grise? Je pense pas. Ça sert à quoi une Magnum Torch? Tout simplement éviter le taux de spawn, même en Blood Moon, là où qu'on est. Mini. Normalement des mini sacs qu'on en a encore, même des pétales on en a encore, de toute façon il manque juste de la laine. T'as un mouton? Non. D'ailleurs la Magnum Torch fait en sorte que... Regarde ce salaud qui veut passer... Tu vois quoi tu parles? De toute façon la nuit elle va tellement être vite passée que... Allez Chardy, je vais assumer les conséquences. Heureusement j'ai des noms parce que sinon... Ouais mais vu la vitesse de la lune et on trouve pas nos dons, ça va être chaud. Tu m'étonnes. Je suis dans le désert, je trouve pas de toute façon. Oui. Par contre j'ai bientôt les manger donc... C'est vite que... parce que je sais pas tout les... Oh bah c'est bon. Un mouton gris en plus, là, devant moi. Un gris. Merde. C'est bon. Elle est sympa aussi, elle repousse les ennemis en dehors de son cercle. Du coup, c'est marrant de voir les mobs essayer de tuer, mais ils peuvent pas.
Ah bon? Non, ça, c'est l'interdiction torche. Oui, c'est de Project E, ça, du coup. Ouais. Parce que le Magnum, non. Si tu ramènes un mode B6, il vient. On peut pas faire... Il nous manque un truc qu'on n'a pas. Le quoi? C'est mon robot. Ah merde, ça va être problème. Bah non. Ah oui. Digital Miner, stop, reset, config, new filter, ordic, emerald. On le met en premier, ok, start. Non mais mec, là faut vraiment que vous passiez la nuit parce qu'il écrit pas partout sur ma barrette, ça devient le chaos. Bon bah passe la nuit, vas-y, de toute façon ça va être rapidement. Moi il me voit toujours 36 000 items. Hein. Oui, mais j'ai mis en premier les émeraudes. Bah, je suis pas sûr qu'il va. C'est pas, faut que je me téléporte ailleurs, je vais me téléporter, je vais le porter à Lyon. Je pense pas qu'il voudra. Ouais, je me suis téléporté comme un faible à l'autre bout de la map. Il y a rien ici. Zéro émeraude. C'est possible. Ouais. Voilà. On fait du coup. Bah attends. Ça transporte facilement les fournées de générateurs et tout là, parce que sinon on part rapidement dans un biome. Oui, ça se transporte facilement. Hein. Oui, faudrait peut-être la wrench pour ça par contre. On peut avoir un petit piège pour route et non. Oh bâtard. Bah, attends, nous on est gentil, on va t'amener le Magnum Torch. Tu viens? Ouais. Tu viens Lou? Ouais. On part où? Il faut une Extreme Hills pour être sûr. Alors là, bah, en Extreme Hills, on a. La montagne, là où je vais faire mon projet, tu penses que... Ouais, là c'est bon. C'est une extrême île. Bon bah du coup, go. Là-bas. Je vais juste... qu'est-ce que je peux prendre? Non, je vais prendre des torches pour privater la montagne. Par là-bas, hein, en fait. Je sais pas où tu vas. Moi, je sais pas. Prends des torches, je vais essayer de private un peu la zone, parce que ça serait con que quelqu'un s'installe là alors que... Ouais. Vu que ça va être un truc assez gros... Ouais, ici ça va être très bien. Ah, ouais. Moi de toute façon j'imagine déjà mon petit projet. Devant la conne. J'ai eu un sale piège mon gars. Il fait des pièges René. Oh mais c'est juste une petite bite, c'est pas grave. Ouais, faut se défendre tout seul. Ok très bien. Alors? Il ne capte pas d'émeraude. Vérifie que j'ai bien écrit émeraude. Bah ouais, pourtant il cherche bien l'émeraude en question. Mais t'es sûr que c'est un extrême île ce gros dessus là? Dans une rivière. Normalement oui. Après extrême île, peut-être que... C'est là où il y a de la pierre et non celle-ci.